Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Selon l'article L120-1 du Code de la consommation, une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l'égard d'un bien ou d'un service. Selon les dispositions de l'article L120-1 du Code de la consommation, une opération possède un caractère déloyal si deux conditions sont réunies. D'une part, elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, c'est-à-dire au sens de la directive 2005-29 du 11 mai 2005 qui a initié les modifications du Code de la consommation, qu'elle est contraire au niveau de compétences spécialisées et de soins dont le professionnel doit faire preuve vis-à-vis du consommateur. D'autre part, elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur à l'égard d'un bien ou d'un service. C'est-à-dire, toujours selon la directive de 2005, qu'elle compromet sensiblement l'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l'amenant en conséquence à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. Les pratiques commerciales déloyales sont de deux sortes, les pratiques commerciales trompeuses d'une part et les pratiques commerciales agressives. Toutes deux sont sanctionnées pénalement par des peines de prison ou des peines d'amende, mais également civilement par la condamnation du professionnel à payer des dommages et intérêts ou par la prononciation de la nullité du contrat conclu. Bouache Avocat saura vous accompagner pour vous assurer que vos pratiques commerciales ne sont pas déloyales au sens du Code de la consommation, comme pour défendre vos intérêts dans le cadre de tout litige qui vous opposerait à un consommateur.